Du coup, bonsoir YouTube, bienvenue dans cette seconde partie du Let's Play. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un petit souci la dernière fois. On a lancé la partie, on a fait à peu près une demi-heure sur un Plague Tale. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte au bout d'un moment que moi j'avais tous les signaux verts de mon côté. Mais apparemment, ceux qui. Enfin, oui, c'est pas apparemment, c'était même sûr. Ceux qui regardaient le live n'avaient aucun son, à part le son de la voix. De nos voix. Et donc du coup, on sait pas trop pourquoi, mais il y a eu un souci. Le jeu diffusait du son dans mon oreillette, mais ne diffusait pas de son sur, enfin pour les gens qui regardaient le live. Donc on avait avancé pendant une demi-heure à peu près. Donc ce que j'ai fait, grâce à la gestion par chapitre qu'a le jeu, je suis revenu en arrière avant cette demi-heure-là, pile poil là où on s'est arrêté la dernière fois, donc avant de commencer la suite. Donc pour YouTube, il n'y a aucun souci. Juste que nous, du coup, on a déjà fait la prochaine demi-heure qui va arriver. Donc voilà. C'est juste pour prévenir, préciser un peu tout ça. Donc voilà, on est reparti. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est assez fort? Oui, je vais augmenter un peu le son du jeu. J'espère que c'est pas trop fort par rapport à nos voix. On verra. Au pire, tant pis. Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs. Ça brûle la gorge. Donc là voilà, on s'est arrêté ici. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Juste à la sortie. Denis. On a réussi. On a réussi. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi là-bas? Peut-être, je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Merci beaucoup, Deep Jack Gaming, pour le follow. Bienvenue. Thank you for the follow. Merci beaucoup. Du coup, voilà, donc le petit père qui. Voilà, qui après coup encaisse le décès de ses parents, puisque je rappelle, Amicia lui a balancé tellement méchamment en pleine face que tout le monde était mort, que ça a été assez brutal, là-haut, un peu un trop moulin, peut-être. c'est la ferme de Laurentius. J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Il est trop mignon, il veut vraiment bien jouer le personnage, bien doublé. Bah, les deux d'ailleurs, même Amicia. Doublage FR est bien fait. Les voix, elles sont claires, elles sont. Ouais, c'est propre. Hein. Ouais. Même les bruits, là, tu vois que c'est très, très net. Ouais. Les corbeaux. Ouais, gros travail chez Asobo. Gros travail. D'ailleurs, on a eu. Puisque ce week-end, on était au Stunfest, on a eu quelques infos sur le jeu. Apparemment, ils ont eu un peu de mal au début à se lancer sur un jeu à eux. C'est un finalement, ils ont psy qui réussi ont une attaqué grosse la grosse maison. production. L'Inquisition. Ah ils sont oui, là. eux. Ouais, c'est les gars de Taco Studio qui nous parlaient de ça. Et d'ailleurs, merci beaucoup à Taco Studio, donc un petit studio, puisqu'ils sont que deux ou trois, enfin deux au cœur du studio, avec des freelances qui viennent de temps en temps. C'est un studio français, oui, bordelais d'ailleurs.
qui développe Minimal Move, donc merci beaucoup à eux pour le follow. Il est pas affiché là, mais parce qu'il faut que je... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ils ont follow la chaîne du coup, vu qu'on a discuté un peu avec eux, donc merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à les voir, ils sont en Kickstarter actuellement. Petite pub. Petite pub pour les studios français. Bordelais d'ailleurs, Taco Studio et Asobo, ouais, viennent de Bordeaux tous les deux, donc ils se connaissent. Asobo, c'est qui eux? Ouais, c'est comme ça. Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! J'en sais, moi. Il y a un rat, peut-être. Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. Ok. Alors, on a des casques et tout ici. On a le monsieur au fond. Mais est-ce que je peux lancer d'ici? Je vais être visible, moi. Je vais sortir de l'herbe, non? Hop, donc c'est... je sais plus ce qu'elle touche. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir que je reste loin. Non, ça c'est la fronde. Ok, donc à la main pour éviter de faire trop de bruit. On lance. Voilà, j'ai il a attiré. Quelque chose par là. Et du coup, dès qu'il va repartir, on va pouvoir foncer. Il y a une gestion du son et tout. Plutôt cool. Non, rien. Il y a rien du tout. Vite. Parce qu'après, il retourne une fois qu'il est au bout. Donc. Ok. Il est pas en bas, non? Non, je m'en rappelle plus en fait. Il y a celui qu'on a. Lui, il a Amicia, pas de regarde! Il y a un pont qui va vers la ferme. Ah oui. Mm-hmm. Ah oui, c'est le fameux pont qu'on a. Ça rime à rien tout ça. Du coup, là, il y a du stuff. Le grand inquisiteur c'est... devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Amicia, je n'ai pas le choix. Et là! C'est bon. Mm-hmm. Derrière. Alors du coup, j'ai amélioré le stuff un petit peu différemment de ce qu'il y a. Il y en a derrière aussi. De quoi? Il y a une caisse. Ici. Derrière la charrette là. Yep. Et du coup, oui, je disais, merci pour le loot. On avait amélioré des trucs la dernière fois. Enfin, pendant la vidéo qu'on avait faite, mais il n'y avait pas de son. Et du coup, là, j'ai amélioré autre chose, il me semble. Hein. Là, j'ai amélioré donc, la pochette qui permet d'avoir la précision nécessaire pour les tirs plus rapidement. Et une poche plus grande, ça, je crois qu'on l'avait fait, avec jusqu'à 12 matériaux par type. Donc, par type de ressources qu'on a sur le côté, là. Donc voilà, histoire d'avoir plus de... Enfin, ils mettent 12, mais au final, tous n'ont pas 12. On voit ici... Ah si, on doit pouvoir en avoir 12 de chaque, mais ouais. Ok, bref. Et donc, on améliorera après d'autres trucs. Alors, diminution de chaque type. Après, à voir. Pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup. Mission en vrai. Mais à voir, du coup, si on aura besoin de ça, ou si on ira un peu plutôt... voir plutôt pour le matériel, pour les outils, la tiraille. Courir et esquiver, fondement de bruit. Je crois que c'est ce qu'on avait fait, d'ailleurs, l'autre fois. Plutôt que la précision. Tant pis, on verra. Donc là on est parti, il y a un ça truc là-bas. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Je vais sur le pont, Charlie va revenir avec les autres barrières. Ok. Donc là on voit qu'il y a un petit obstacle qui a été mis. Il y a lui et il y a le monsieur qui s'appelle. On sait pas ce qu'il creuse d'ailleurs, c'est assez bizarre. Poudre blanche à moitié. Je sais pas à quelle époque ça existait encore, je sais pas ce que ça peut être. Des cendres? Bizarre. Du sable? Non, je crois. Du sable, je sais pas. Non, regarde, c'est tout blanc sur toute la longueur là-bas. Bizarre. Peut-être du sable au pire. Enfin, pour l'herbe en tout cas, c'est bizarre. Et ok, donc dès qu'il se retourne, on va essayer de looter le coffre. C'est le seul truc à voir ici à présent. Attention à toi Hugo, t'es un peu trop du bord là. Allez. On spam. Ok.
Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. Donc on fait attention. Il y a des coffres ici, mais il n'y a rien qui a l'air d'être foutable dans la petite chariote là. Attention Hugo, on va pas trop loin. Ok. Ça devrait être bon. Ça va. Maintenant lui. Oula oula oula. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Mais ils vont me voir. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Alors, à la main, c'est ça. Ah, mais il faut que je me rapproche un peu, je suis trop loin. Ouais. Donc on va essayer d'attirer les gens sur... Enfin, le monsieur là, sur... Le saut qui est à l'envers et d'envoyer notre frérot Hugo juste derrière. C'était quoi ce bruit? Ok, l'autre derrière, on n'a rien entendu. Passe-toi Hugo. Vas-y, 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 vite, 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 vite. Allez, cours Hugo. Oh, mais il est trop lent. Oh malheur. Ça passe. Bon. Ok. C'était rien. Et nous après. Ah, il a ouvert la fenêtre. Parfait. Il est fort ce petit. Il est fort. Il avait lâché sa pelle carrément. Mais il est tout imite, il est tout. Ok, go. On essaie de passer par là et après on passe par la fenêtre. Il faut qu'on parte, Amicia. Des outils, on va pouvoir améliorer des choses si on a ce qu'il faut en ressources. ouais, mais on va où? Enfin, pas on va où, mais comment on fait pour attirer le monsieur ailleurs? Tirer plus proche de lui ici. Ou par la fenêtre, là. Si tu te décales. Non, mais il va nous voir, non? Et que tu tires par là-bas, du coup. Ok, ça passe. Je vais lui balancer un pot. Un pot. Oui. Voilà. Ok. Go. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi? Mais pourquoi? Chut. Ah, c'est pas le temps. De la garde pour de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Grand Inquisiteur, je pense pas que le mec qui a tué nos parents soit le Grand Inquisiteur, mais c'était un bon sbire, je pense. Mais ouais, je sais pas à quoi il ressemble le Grand Inquisiteur, on l'a pas encore vu, enfin je pense pas. Sauf si l'autre c'est le Grand Inquisiteur, mais je sais pas. Je pense que le Grand Inquisiteur il reste au chaud dans un donjon ou quoi, je pense pas qu'il vienne s'emmerder. À moins que, je sais pas, le petit ait une si grande importance qu'il le cherche lui-même. D'ailleurs, on sait pas pourquoi est-ce que... On sait que le petit est malade, Hugo, mais on sait pas pourquoi est-ce que l'Inquisition, on le veut, enfin... Quel est le lien entre la maladie et... Il est malade, il a quoi? Attention, il y a un garde. On sait juste qu'il est malade. D'accord. Que ça fait... Parce qu'en fait, ils se connaissent pas trop, Amicia et Hugo. Ah, ok. Ça fait 4-5 ans que le petit était enfermé dans une chambre. Mais avec sa mère, pourtant. Ouais. Ok. Mais sa mère le protégeait, il l'a isolé pendant des années pour essayer de le guérir, etc. Et elle, du coup, elle a fait sa vie et du coup, ouais, ils se connaissent pas forcément. Bah, elle est morte, du coup. Qui ça? Sa mère. Oui, oui, mais bon. Il vient juste de mourir. Et pendant 4-5 ans, elle l'a gardé petit. En protection. Nous, ils sont morts comment? Je sais pas, du coup. Ils ont été tués? Elle plantait. L'épée a carrément traversé la porte. Enfin, si tu veux, il y avait une porte.
La mère dit à Amicia, au petit d'ailleurs. Non, le petit était où? Il était un peu plus loin, je crois. Et Amicia était juste au niveau de la porte, et la mère lui dit, allez-y, machin. Il y a le grand méchant de l'Inquisition qui avait déjà tué le père avant, qui arrivait. Il marchait très très vite. Et en fait, le moment où Amicia ferme la porte avec sa mère de l'autre côté, tu vois l'épée qui traverse avec tout ça. C'était assez gore. Mais du coup, c'était assez clair que voilà. On a su très vite ce qui s'était passé. Donc, lui, on peut lui casser sa torche. Et je préfère lui casser sa tête. Voilà. C'était juste par contre, il nous avait repéré à moitié. Il y a un autre au fond là-bas. Je sais plus s'il y a du loot ou pas ici. On va aller voir. Donc, il n'y a pas l'air pour l'instant. On va regarder par ici. Ok, non. On est dans une espèce de scierie, ok. Ouais. Ouais, il y a du loot sur le cadavre d'ailleurs. On va aller voir ça. Perdu sa lampe. Ok, alors là, on va essayer de l'attirer. Il a un casque de toute façon, donc ça sert à rien d'essayer de lui jeter la tête. On va juste l'attirer. C'est où ça? Alors il faut l'attirer assez loin parce que sinon il va passer par le bas. Ça m'embêterait qu'il vienne par ici. Non, c'est bon. Ok. Parce que s'il fait le tour vers là, ça va être la panique. Vas-y, 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 vite, tu peux, par contre, tu te traces. Hein. Non, non, très vite. Ouais. Parfait. Ok. Donc voilà, là c'est le poste pour créer des outils. On peut justement, grâce au tout dernier item de la liste des ressources, c'est les outils justement de réparation. On va prendre ça clairement. En tirant les boîtes, ses semelles et en entourant ses mollets. J'ai pas eu le temps de lire. Renforcé par des fesses bandes de cuir, la ceinture d'Amicia porte suffisamment d'outils pour lui permettre de modifier son équipement n'importe où. D'accord, deuxième niveau de ça, ça va être. Voilà, on pourra modifier, crafter des choses quand on veut, dès qu'on aura le stuff. Amicia? Donc ça, c'est cool aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Il est trop mignon. Et ben en fait, c'est ici qu'on s'est arrêté. Bah oui, tu vois. Ouais. On a pas mis une demi-heure. Hein. Si, on a mis. Si, on a mis une demi-heure. Ah ouais? Mais forcément, mis plus de temps. Hugo? Hugo? Tu es où? Oh, Hugo, ça me fait pas rire. Hugo, t'es où? Hugo! T'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Bah oui, ça te fait rire, mais c'est pas drôle. Imagine, tu te fais choper à ce moment-là, en douille. Pas de loot ici. Ils sont là. Où c'est, où c'est, où c'est? À droite, là-bas. Vers la. Non, c'est un cochon, ça, à droite. Ah bon? C'est des cochons. Ah, j'ai pas vu, je trouve que c'est quelqu'un qui t'a blessé. Ah oui, là, ils sont. Oh putain. Voilà, donc on confond l'Inquisition avec ça. Je sais pas, j'ai vu un move, c'est le seul mouvement que j'ai vu. Ah, je suis bloqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait effectivement des mouvements. Des notes. Un journal. C'était un alchimiste. Oh, il avait un joli bateau. Les notes, on doit pouvoir les avoir. Hein. Curiosité. Les cadeaux, non? C'est pas là? Tabarn de croisade. Ah oui, c'est quoi ces derniers grandes croisades?
Date d'un siècle déjà, l'Église fait face à de nouveaux périls, maladies, famines, guerres, les calamités poussent l'humanité vers la foi. Ce besoin de spiritualité associé à de nombreuses pertes humaines force le clergé à la formation précipitée de nombreux prêtres. Mais une partie du peuple va néanmoins chercher des réponses dans le paganisme, les superstitions, les ordres contestataires. C'est ça, journal d'un alchimiste, page du journal d'un penseur d'Orient et ami de Laurentius, le monsieur qu'on cherche. Relatant des ravages du fléau dans des contrées éloignées. Le grand mal est en effet apparu en Asie centrale, où il décima les populations sur son passage et freina l'évolution de la société avant d'atteindre et de ravager l'Europe. Oh, d'abord en Asie. Ok, c'est bien. Un petit peu d'histoire, un petit peu de lore. Bon, du coup, on va essayer de s'occuper des deux messieurs de l'Inquisition là-bas et des cochons. Hein. Les cochons de l'Inquisition. Donc on va peut-être se planquer un petit peu parce qu'on est en train de courir. Il y a des trucs dans les champs là-bas. Ouais. Il y a des pics, non ? Des hallebardes ou je ne sais quoi, des lances. Ici, il y en a deux, mais il y en a un autre aussi qui se balade après, ou c'est le même ? Ouais, il y en a deux. Il y en a un là-bas au fond. Ouais, mais il y en a un qui tourne et un qui reste sur place. Ok. Donc, on va essayer de. Les cochons ! Cachez-vous, c'est dangereux ! Tu as fait qu'ils vont se mettre à brailler et qu'ils vont me gailler. Ils sont déjà en train de bailler, putain. Bon, la poule, tu casses. On va essayer de passer à l'intérieur. On peut vous grimper ? Vas-y, passe. On va dans le poulailler. Dans le truc à cochon. Chercher des œufs. Yep, on va manger des œufs. Oh, du loot. Du cuir et une corde. Alors, il y a un ennemi à droite, visiblement. Je sais pas si on voit là-haut, sur l'écran en haut, sur le bord de l'écran, il y a une petite bordure blanche. C'est là où se trouve à peu près, par rapport au son, j'imagine, les ennemis. On voit que ça se déplace à droite, du coup. Pratique, ça. Donc, on va ouvrir là, si jamais il y a besoin. Alors, il est où, lui ? Ah, mais il y en a un autre qui a une torche. Il y en a un qui tourne et le troisième qui est là. Est-ce qu'on peut récupérer la corde ? Non. Tu vas pas en face, du coup ? Je sais pas où je dois aller. Je peux, mais il y a du monde. Mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a là. Est-ce qu'on peut le voir par une fenêtre ? Est-ce que c'est un intérêt déjà d'aller par là ? Je sais pas. Ah, on peut arriver là direct. Ah bah oui, il y a des herbes, de toute façon. Wow. Ok. Allez Hugo, on joue tout pour le tout. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on est là, il va falloir faire... Oh, là-bas, il y a un... Ils sont nombreux. Ouais. Ok, lui va jusqu'où ? Il vient jusqu'ici ou il repart à peu près au milieu là ? Ok. Alors le truc c'est qu'on va avoir le droit qu'il y a une chance puisqu'on n'a qu'un seul pot. Quoique après on pourra lancer à la main les pierres, mais bah là non, le pot va nous servir de... Du poulet. Oui, mais je vais pas partir, envoyer le pot, revenir chercher. Oui, c'est sûr. Le mec il va revenir, il va relancer un autre pot. Ah, encore c'est pas fou. Du coup, on n'a qu'un seul pot pour cette zone. On pourra se servir des pierres après, mais il faudra viser sur quelqu'un pour que ça fonctionne, je pense. Donc on va attendre. Donc, ça attirerait les deux, a priori, si je comprends bien le truc, là. Vous avez pas entendu un truc ? C'est ça. Allons voir. Garde les yeux ouverts. Ça peut être une bonne chose. Ah ouais, mais est-ce qu'il va couper ? Bouge pas. Reste là. Oh. Bon, après, lui, ça va, il tourne, donc... Calmez-vous. Excellent. Oh, mais attendez, il y a un coffre juste à côté du mec, quoi. Ouais. Super, il y a un bûcher. Il va venir. Ok, on pourra tirer dans les casseroles qui est en face. Il faut juste que lui ne nous voit pas. Il y a un autre fond là-bas, de dos, je crois. Ah oui, ça va être chaud. Quand est-ce qu'on doit traverser ?
que le temps qu'il fasse le tour là, on aurait le temps, a priori, de... Bah large, on est vieille. En face. Large, non, en fait, puisqu'arrive un moment, il va nous voir... Là, par exemple. Heureusement que ça a été très rapide. Là, qu'est-ce qu'on a? On a encore du monde. Mais il n'y a pas de casque, donc c'est de là un peu les éliminer. Il y en a un troisième au fond, d'ailleurs. Très, très loin. Du coup... Hop. C'est quoi, ça, car? Ah, c'est pour prendre le coffre? Ouais, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud, hein. Méga chaud. Il faut amener les deux là-bas, en fait. Il va falloir amener les deux au coffre. Ah, rien à signer. Ok, c'est bon. Pas de soucis. Tout est sous contrôle. Juste, lui, ce qu'il va nous voir. Ah, il y a des chances qu'il nous voit dès qu'on va lancer le truc. Ah, ça va être compliqué, là. Non, je pense qu'il est loin et il doit pas réagir, le ciel. Ah si, lui, je pense qu'il va nous voir quand on va vouloir... On va voir. On va essayer. Il faudrait que les deux soient dans le coin, qu'on balance sur les poils. Il va falloir être très rapide. Quitte à le faire en deux fois, s'il faut. Parce que d'ailleurs, le mec là va pas nous voir. C'était quoi? Ah, il nous a vu. Ah, t'as grillé. C'est encore mieux. Oh, c'était chaud, ça. Je suis pas fou, quand même. Oh, la vache. C'était encore mieux. J'ai pas hésité, parce que sinon, c'était la mort. Sinon, le coffre, il est ouvert, Jackie, mais... C'était comme ça au début, t'inquiète pas. Ils ont vu le coffre, voilà. Pour eux, c'était ouvert aussi. Ouf. On se serre les fesses, mais ça passe. Le truc, il est dans ouvert et vide. Bien. Ils ont un casque qui voit moins bien, tu vois. Ça réduit un peu la vision. C'était tendu, c'était pas la meilleure action, mais bon, c'est passé, donc tant mieux. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Est-ce que ça vaut le coup de redescendre, sachant qu'on risque d'être cramé, parce qu'il y a un passage en bas là-bas avec des gens dans les champs là-bas. Ou est-ce qu'on passe plutôt par là? Après, tu peux peut-être rejoindre en bas. Oui, je pense qu'après, on peut peut-être aller à gauche. On va voir. Ce serait dommage de louper... Il y a déjà des trucs là, peut-être derrière. Du loot ou quoi, mais... Non, mauvaise idée. Moi aussi? Non, je vais attendre qu'il soit comme tout à l'heure, qu'il soit plus... On va pas trop y aller vite. On va se précipiter. C'était par là, à peu près. Ok. Ah mais du coup tu voulais pas aller là? Si si, mais on va aller à gauche. Enfin, si non, je croyais que tu voulais aller derrière toi là. Ouais, mais il y a le mec qui est en face de nous, on n'a rien pour l'attirer, enfin le faire partir à l'opposé. Mais si, il est face à nous. Là il est face à... Sauf si je vais sur tout le côté gauche, mais je sais pas. On va voir par là en tout cas. Est-ce qu'il y a personne déjà? Est-ce qu'on peut aller... J'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure. Peur, là. Il était mort. Ah. On n'enterre pas. Il a été mordu. Ah, je peux pas. Ouais. Et tu l'as touché? Non. Tant mieux. Parce que si un rat te mord, il t'empoisonne le sang au point que t'as des cloques partout sur le corps. Et tout le monde autour de toi peut l'attraper et en crever. C'est ça, la morsure. Bon. Ben, il restera où il est. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est normal. Voilà, pas de pitié. Regarde pas Hugo, hein, par contre. J'ai oublié de lui dire. Voilà, on aurait pu la faire discret. Mais j'aime bien les solutions radicales dans les jeux. Voilà, il y en avait que deux, j'espère. Ah, il y avait même deux endroits pour les attirer. On aurait pu faire simple. Et au moins là, ils parleront plus, ils nous feront plus peur. Est-ce qu'il y a du loot là-dedans ou pas? Oui, il y a que des breloques. Alors, est-ce qu'on retourne en arrière dans le champ là-bas pour peut-être se faire choper? D'ailleurs, ça sert à quoi d'aller dans le champ si au final ici on se fait bloquer?
Est-ce qu'il y a un autre chemin? Oui, on va pouvoir aller en bas. Et remonter, mais... Faire un tour comme ça. À moins qu'on descende carrément tout en bas là-bas. Ah, il y a un gars avec sa pelle encore. Ah ouais. Ça me gêne un peu de louper toute cette zone-là. Mais tu peux redescendre de ce côté, non? Plus loin à gauche. Bah, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on se dit qu'on va pouvoir rejoindre le truc, mais c'est pas sûr. Et puis, bah, là, du coup, il y a personne. Peut-être arriver en face des gens aussi. Parce que le truc est peut-être fait pour qu'on arrive de la gauche, mais pas de la droite. Du coup, à force, on finit par plus pouvoir revenir. Non, on va retenter par là-bas. On va voir si... on reste plus ou moins derrière lui. Ah, mais c'est un truc de rat, ça. Ok. C'est pas... okay. Alors, c'est juste ici, en fait. Ouais, c'est celui-là que je te disais qui est... Mais il faut l'attirer en bas. Tu repasses par la fenêtre. J'ai plus de... ça. Merde. Bah, le pot. J'ai plus de peau. Ah, mais t'as plus de peau. Non, c'est ce que je te dis, j'ai plus de peau. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est très galère au final de revenir en bas. Parce que même si je longe complètement à gauche... Si tu sautes et que tu te plantes, c'est chaud. Ouais, on y allait en mode brutal, mais... Ou alors de faire comme tout à l'heure, mais c'est risqué de faire deux fois le même truc. Ouais. Oh purée. Oula. Tu sais comment? Ratissez l'endroit. Je sais rien. Les ciels éclairent si besoin. Il nous les faut. Restez sur vos gardes. À force, on va trouver. Ah voilà. Vite, vite, vite. Oh putain. Mais merde, mais lâchez-moi. Oh putain. Mais ouais, non, ça sert à rien de revenir en arrière. Faut jamais revenir en arrière. Oh putain, mais je vais te refaire. Il est où? Ah non, ça va. Bon bah c'est mort, je ne reviens plus en arrière. Alors, on a trois pierres, deux têtes. Tout va bien. Jamais revenir en arrière. Pas dans ce jeu en tout cas. Ah, c'est chiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf. Ok, donc ici il n'y avait rien. Et ici, par là, il y a un troisième. Mais on verra si tu dois pouvoir redescendre, hein, peut-être. On verra bien. Oui, mais c'est ce que je te disais. C'est comme là, on va revenir face aux gens. Et du coup, c'est pas possible. J'attends quoi pour sonner le retour au camp? Il fait presque nuit, bordel. Donc ça c'est là et on peut pas aller en bas. Donc on a le monsieur là avec une tête aérée. On va vite. Voilà. Et maintenant l'objectif c'est de traverser en face, de récupérer le pot qui va nous être utile. Alerte! Un assassin rôde dans les parages. Ah. Un de nos gars est à terre. Ah bah tant mieux. Oui et non. Ah bien, on va venir là. Peut-être. On pourrait. Jusque la barre rouge. Ça va la synchro. Ouais, le mouvement de tête et tout. Ouais non, on va y aller doucement. Arrêtez de chercher. Il va revenir, il va se mettre à son poste. Je sais pas lequel des deux va aller à droite. Bah lui. Ah bah là tu peux... Ah merde, ouais. C'est bizarre ça, parce que si c'était le petit, c'est enfin, le premier saillant. Ok. Ah, il n'y a rien à voir en plus.
vois qu'il se retourne. Ok, ça passe sans problème. Donc pareil, dès qu'il va se retourner dans l'autre côté, on va courir en face, enfin courir, façon de parler. Ok. Chargement, ça va bien. Il y a encore des espèces de nids de rats. Je crois que c'était un charnier de cadavre machin, mais pas du tout. C'est juste une ouverture où les rats ont jailli à une époque. Mais tu vois là, tu peux descendre. Oui, mais le monsieur qui est là, il est plus orienté vers là. Donc je sais pas s'il nous voit, mais voilà, c'est toujours. On n'est pas dans le bon sens, donc il faut se dire que tous les ennemis sont peut-être orientés plutôt vers nous que. Ouais, je sais. C'est ça qui est compliqué. On est en face de toi aussi. On est à droite, à gauche. Et celui de derrière pourra nous voir peut-être. Donc, A priori, celui-ci, ça va le faire. J'ai hâte qu'on nous relève. Qu'on puisse retourner au bastion. Ah. Et c'est vrai que ah oui, d'accord, j'avais pas vu celui-là que tu parlais. Oui. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu celui qui est sur le chemin. Oui. Bon, il y en a un autre au fond aussi. On va pas passer notre vie à mettre de la chaux dans les trous. Mais il y en a qui disent que c'est de l'hérésie. C'est fiché, on a loupé pas mal de trucs là. L'inquisition agit. Alors, est-ce qu'on peut voir ça? Non, évidemment. C'est vrai qu'on a le petit passage ici. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. Ouais. Ah. Je vais t'aider. D'accord. Ah non, pas des rats, hein. J'ai pas de torche ici. Repli. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Hugo, on ne doit pas s'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez, tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête, ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman? Elle me tenait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Oui, je précise juste que par rapport à la dernière fois où c'est planté, machin, qu'on avait fait un peu, depuis le champ de vigne à moitié où Hugo s'est planqué, on a eu un peu peur de qu'il se fasse choper par l'Inquisition. Depuis ce passage-là, après tout ce qu'on a traversé là, on l'avait pas fait du tout. Maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein? Non, rien. Ouais, c'était... Non, ça c'est difficile, je pense, pour Amicia, puisqu'elle ne voyait que son père. Après, c'est le moulin. Beaucoup son père. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts? Oui, c'est ce que j'ai qu'est-ce qui s'est passé ici? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Et du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on va arrêter pour cette petite session. Eh oui, faut garder le suspense un petit peu. Ça fait, on va dire trois quarts d'heure, une quarantaine de minutes. Donc on va arrêter là pour cette petite session donc sur A Plague Tale Innocence. On va y aller par petits bouts. Il y a peut-être des fois au délai où on fera un peu plus, mais voilà. Là, je pense aussi pour la VOD, ça pourrait être pas mal, trois quarts d'heure, une quarantaine de minutes. Ce sera un peu plus digeste que les 1h30 qu'on a fait la dernière fois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, c'était très cool, mais j'aime toujours l'ambiance et tout, tout ce qui se passe, c'est vraiment bien fait. Même les petits passages d'infiltration et tout, c'est plutôt
plutôt cool. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, des bisous YouTube, à très bientôt, ciao ciao.